Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon de lecture. Mais à vous de deviner la consonne. Faisons un petit rappel. Dans la leçon précédente, nous avons vu une lettre. Alors, c'était quelle lettre? La lettre R. Bravo. R avec A dans la syllabe ra. R avec I dans ri. R avec O ro. R avec U, rue. R avec E, re. R avec E, ré. Maintenant, on va passer aux images. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tasse. Bien sûr. Tasse. Très bien. Deuxième image. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Poisson. Poisson. Très, très bien. Troisième image, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça, soleil, soleil. Quatrième image, que fait ce pingouin? Il dit salut, salut. Donc, il nous a saluer. Oh, c'est sale. Sale. Donc, qu'est-ce que j'entends dans les mots tasse, poisson, soleil, saluer, sale. Quel est le son ou la lettre qui se répète dans ces cinq mots? C'est la lettre S. Donc, la consonne d'aujourd'hui est la lettre S. Comment on écrit la lettre S? Quatre façons. S minuscule cursive. S majuscule cursive. S minuscule script. S majuscule script. Donc, quatre écritures. Je répète, minuscule cursive, majuscule cursive, minuscule script, majuscule script. Comment on prononce la lettre S? La bouche, voici la bouche, les lèvres, la bouche légèrement ouverte, voilà. On appuie la langue
sur la partie du palais. Ça, c'est la partie du palais. Au-dessus des dents. Voilà les dents. Et on fait passer l'air qui, en forçant son passage, fait un bruit sourd de friction et nous donne S. Je lis S avec A dans la syllabe ça. S avec I, si. S avec O, so. S avec U, su. S avec E, ce. S avec E, c'est. Je construis des mots. La syllabe la avec la syllabe so me donne le mot la so. La so. Ça avec le me donne le mot sale. Sale. La syllabe ta avec la syllabe ce me donne le mot tasse. Tasse. Saut avec le me donne sol. Sol. Ra su ré me donne le mot rassuré. La maman a rassuré son enfant qui a peur. Mot, syllabe, lettre. Là, c'est une tasse. Dans le mot tasse, il y a deux syllabes. Ta, se. J'entends S dans la deuxième syllabe. Voilà. Voilà, deuxième syllabe. Et voilà la lettre S qui est toute seule. Ici. Là aussi, c'est sale. Sale. Deux syllabes. Sale. Je prends la première syllabe qui contient la lettre S, ça, et d'où la lettre S. J'enlève la voyelle, voilà, S. Comment est cette plume? Elle est lisse. Encore deux syllabes, lisse. Le S se trouve cette fois-ci dans la deuxième syllabe, lisse. Et voilà. C'est la fin de ma séance. Je te dis au revoir, à très bientôt.